En prélude aux assemblées annuelles 2022 du groupe de la Banque africaine de développement, BAD, une conférence de presse a été organisée le mercredi 20 avril 2022. Les assemblées annuelles 2022 du groupe de la Banque africaine de développement, BAD, se dérouleront du 23 au 27 mai 2022 à Accra, au Ghana. Agenda des assemblées annuelles 2022 afin de permettre aux journalistes d'en savoir plus sur l'agenda des assemblées annuelles 2022, une conférence de presse a été organisée le mercredi 20 avril 2022, en présence de Vincent Lemoyel, le secrétaire général du groupe de la banque. Les assemblées annuelles 2022 du groupe de la BAD prévoient le lancement de l'édition 2022 du rapport sur les perspectives économiques en Afrique. L'économiste en chef par intérim et vice-président de la Banque africaine de développement, Kevin Urama, le vice-président chargé de l'électricité, de l'énergie, du climat et de la croissance verte, Kevin Kariuki et le directeur du département agriculture et agro-industrie, qui représentait son vice-président, Martin Frejenet, ont rejoint la conférence de presse, pour répondre aux questions des quelques 80 journalistes présents. Lire aussi Assemblées annuelles 2022 BAD, résilience climatique et transition énergétique équitable au cœur des débats. Rappelant le rôle de leader d'opinion que la banque assume en Afrique, Kevin Urama a précisé que trois événements du savoir majeur et ouvert au public viendraient rythmer ces assemblées: construire une économie numérique, emploi vert pour les jeunes et une session spéciale sur le changement climatique, qui prévoit le lancement de l'édition 2022 du rapport sur les perspectives économiques en Afrique. Infrastructure et transition énergétique. Les responsables de la banque réunis pour cette conférence de presse ont répondu à un large éventail de questions, notamment sur le rôle de la banque dans le développement des infrastructures et la transition énergétique en Afrique, ainsi que sur un plan de 1,5 milliard de dollars, soit 750 milliards FCFA destinés à éviter la crise alimentaire que pourrait engendrer la guerre en Ukraine. La BAD envisage un plan de 1,5 milliard de dollars, soit 750 milliards FCFA, destiné à éviter la crise alimentaire que pourrait engendrer la guerre en Ukraine. La résilience est un concept global. Selon le vice-président Urama, la banque va concentrer davantage encore ses investissements dans les infrastructures pour renforcer la résilience des pays, la résilience sociale, la résilience économique mais aussi la résilience environnementale en général, qui inclut la résilience climatique. Chargé de l'électricité, de l'énergie, du climat et de la croissance verte, le vice-président Kevin Kariuki a relevé que la Banque africaine de développement n'investissait plus dans de nouveaux projets liés au charbon. Toutefois, quand il s'agit de gaz, nous savons bien que l'Afrique doit s'attaquer à sa pauvreté énergétique et, pour y parvenir, il nous faut envisager toutes les sources d'énergie autres que le charbon. Aussi, notre position à ce jour est que tant qu'un pays comptabilise un projet gazier dans ses contributions déterminées au niveau national, la banque investira dans pareil projet de centrale au gaz, a-t-il indiqué. Lire aussi BAD/Assemblées annuelles, les défis du changement climatique et de la transition énergétique au menu des débats. Martin Frejenet, qui dirige le département agriculture et agro-industrie de la banque, a quant à lui précisé que le plan d'aide alimentaire de 1,5 milliard de dollars répondrait aux besoins immédiats que le conflit en cours en Europe a entraîné. Il va aider les agriculteurs en leur fournissant semences et engrais pour la prochaine saison des pluies qui commence vers le mois d'octobre dans l'hémisphère sud. La banque dispose aussi d'un plan à moyen et long terme pour aider les pays à renforcer leur résilience, baptisé « Mission 1 pour 200 ». Objectif, permettre aux agriculteurs d'accroître de 100 millions de tonnes leur production alimentaire, afin de nourrir 200 millions de personnes. Qualifiant les journalistes de « partenaires et défenseurs du développement », Vincent Lemoyel les a invités à faire connaître l'impact du travail de la banque et à jouer de leur influence sur leurs gouvernements respectifs pour parvenir au changement qu'ils souhaitent. La banque est un catalyseur. La banque existe pour aider ses pays membres régionaux à accomplir leur développement socio-économique, a insisté le secrétaire général du groupe de la banque. Et de conclure, les assemblées annuelles sont un moment passionnant. Nous avons hâte de vous y voir.